Coucou YouTube, c'est Linono. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réaction K-pop et pas des moins parce qu'aujourd'hui, c'est du NCT. Oui, je pense que c'est la première fois que je fais une réaction sur NCT et du coup, je suis trop contente parce que c'est mon groupe favori. C'est NCT. NCT. Avant toute chose, il faut vous expliquer quelque chose. Il faut vous expliquer ce que c'est Station de LASM. C'est un label qui permet aux artistes de continuer leur activité en mode solo ou bien même à quelques groupes comme on le voit aujourd'hui. Et du coup, ça permet aussi aux fans d'avoir d'autres sons un peu différents de ce que les groupes peuvent proposer ou d'avoir des sons qui se rapprochent plus de... du style de l'artiste, notamment avec Mark qui a sorti, Mark qui fait partie de NCT, NCT Dream aussi, NCT 127, Osu, il fait partie de tous les groupes, et du coup il avait sorti Child, Taeyong qui avait sorti Long Fly de NCT 127, NCT, et il faut aussi partie d'NCT U finalement, et il y avait aussi Ten qui avait sorti Bet Me Naked qui fait partie de YG NCT. Donc là je pense avec NCT U on a Kun qui fait partie d'unité chinoise et du coup d'NCT coréenne, on a Yang Yang aussi pareil, et on a Tae qui fait partie de 127 et qui fait partie d'NCT aussi. Du coup nous avons deux voix incroyables. Nous avons Kun qui a une voix magnifique. Je sais que toutes les voix de la SM sont magnifiques, mais Kun a une voix elle est si douce et à la fois forte, quoi. Et nous avons Tae qui a une voix, oh là là. Tae a une voix qui monte dans des tonalités juste pas possibles. Et nous avons Yang Yang qui a un rap ultra deep, bien profond, mais avec une douceur ajoutée. Du coup, c'est parti. On écoute ça. Je vais arrêter de parler et tout parce que, mais c'était important de faire l'introduction pour que vous sachiez quel membre fait partie de quel groupe et pourquoi nous avons ça maintenant avec que 3 groupes alors qu'NCT c'est 23 membres. Donc, c'est parti. Let's go. Ah. Bon, comme vous voyez, j'ai mis des écoutes, j'ai mis mon casque, hein, parce que, NCT, il faut que j'entende tout, hein. Attendez. Ok, let's go. Yang Yang. Kun. Taylor. Oh yeah, yeah. Take me to the place. Quand je disais qu'il avait une voix profonde mais douce, Yang Yang, Yang Yang a une voix incroyablement douce mais à la fois grasse. Je sais pas comment l'expliquer. T'as l'impression qu'il veut te séduire tout le temps à travers la voix. Hein. Oui. Par contre, wow, Yang Yang, les gars, je pense que c'est ce qui réveille, hein, la musique. Yang Yang réveille la musique. Hein. Kun et Tae ont des voix superbement élégantes. Hein. Mais Yang Yang
ajoute ce côté sensuel, ce côté agressif qui rend la musique un peu moins sentimentale et plus sensuelle. Ils sont très beaux, j'adore leur coupe de cheveux, c'est chill, c'est pas trop abusé et c'est génial. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Oh, c'est ce que j'aime bien avec l'ASM, c'est que ils ont pas peur de sortir des choses qui vont au-delà de ce que le groupe sort habituellement. Et surtout, ils n'ont pas peur de laisser les membres qui sont en pause. Bon, Tae, il n'est pas en pause, en fait, finalement, parce qu'ils sont en tournée, normalement, mondiale avec NCT 127. Mais Kun et Yang avec Wavy sont en pause, finalement, parce que, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur leur comeback. Et du coup, c'est ce que j'adore, c'est que ils n'abandonnent pas leur groupe et ils sortent des sons qui sont pas forcément trop, on va dire, difficiles. C'est-à-dire, c'est un son qui va pas être performé avec une danse. Enfin, j'espère pas. Moi, je veux juste un petit son comme ça. Pas besoin de s'étouffer. Pas besoin de trop en faire. En tout cas, c'était magnifique. J'adore. C'est doux. C'est parfait. Oh là là. Par contre, je la vois tellement bien, voilà, vous êtes sur une plage. Vous mettez cette musique-là. Et puis, il pleut. En fait, je suis en train de faire des clips. Non, du coup, magnifique. Du coup, ça, c'était Kun. Incroyable. Une voix magnifique. Là, nous avons Tail. Avec le petit toutou. C'est trop mignon. Par contre, il est super chiant. Tiens, ça se voit. C'est doux, c'est tel, c'est si beau, désolé. Ça, c'est Yang Yang, du coup. Voilà. C'est doux, c'est magnifique, c'est sublime, c'est l'été, c'est réconfortant, ça ne défonce pas nos oreilles. C'est... Merci. Thank you, SM. Thank you, Yang Yang. Thank you, Tae. Thank you, Kun. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je pense que, en vrai, ça va être plus votre style. D'ailleurs, j'ai mis ma casquette NCT. Je sais pas si vous l'avez vue. Resonance. Voilà. Donc, je suis en mode... Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je pense que ça va être plus votre style. Parce que vous aimez bien un peu les instruments un peu plus basiques, avec des voix un peu plus douces, moins hip-hop, moins rap. Du coup, là, on a carrément une musique, une petite balade avec des petites touches un petit peu à... des touches de rap, mais de temps en temps, qui vont pas forcément englober trop la musique, qui vont pas fracasser la musique aussi. Du coup, moi, j'adore. Merci beaucoup. Oh, cette image, elle est trop magnifique. Elle est trop, trop belle ici. Par contre, j'aime aussi le fait qu'ils aient ajouté d'autres personnes dans le MV. Souvent, en K-pop, on a un clip avec que les membres et du décor. Et là, j'avoue que j'aime beaucoup le fait qu'ils ajoutaient d'autres personnes, ça semble un petit peu être un vlog, genre une vidéo de memory vlog, quoi. Et du coup, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, du coup, c'était la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo, j'espère, NCT. Bisous, bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de follow, enfin, de vous abonner, du coup, de mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et puis, des bisous, à la prochaine, bisous, bisous.